Quatre ans après la condamnation pour viol de Harvey Weinstein, une cour d'appel de New York a décidé de l'annuler, jeudi 25 avril, en réclamant l'ouverture d'un nouveau procès. C'est une décision qui a choqué nombre de personnes. Jeudi 25 avril, une cour d'appel de New York a fait machine arrière sur la condamnation d'Harvey Weinstein pour viol et agression sexuelle, qui avait été prononcée en 2020 par un tribunal de la Grosse Pomme et par le juge James Burke. À ce moment-là, l'ancien producteur américain de 72 ans avait écopé de 23 ans de prison après avoir été reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Mais tout cela est remis en perspective puisque le verdict a finalement été annulé, à cause du témoignage de trois femmes portant sur d'autres faits que ceux qui ont été commis contre les plaignantes. Ces derniers ont, pour l'une des juges de la cour d'appel Jenny Rivera, été admis de façon erronée. Il semblerait que les témoignages ont dépeint une image hautement préjudiciable d'Harvey Weinstein. La juge a donc dénoncé des erreurs choquantes en réclamant un nouveau procès, cette fois plus équitable à ses yeux. Après le vote de 7 juges, 4 ont voté pour l'annulation de la condamnation d'Harvey Weinstein. La juge Madeleine Singa, qui n'était pas favorable à l'ouverture d'un nouveau procès contre le producteur, a critiqué cette décision en ayant un mot pour les victimes. La cour continue à contrecarrer les victoires régulières pour lesquelles les survivantes de violences sexuelles se sont battues. Un producteur qui restera en prison. Elle a également ajouté, avec émotion, les femmes qui portent le traumatisme de violences sexuelles et les blessures des témoignages répétés sont oubliées. Cela ne signifie pas pour autant que Harvey Weinstein est remis en liberté. En attendant son prochain procès, le producteur américain continuera de purger son autre peine de prison, de 16 ans cette fois. Cette condamnation pour un viol commis en 2013 sur une actrice, dans un hôtel de Beverly Hills, avait été prononcée en 2023 à Los Angeles. Un groupe rassemblant des victimes d'Harvey Weinstein a réagi à l'actualité judiciaire du producteur, a qualifié cette décision de démoralisante et profondément injuste.